après, mais il est pas par là. Doit falloir passer par là. Vu la... ce que montre la minimap, je pense que c'est par là. Yep, c'est là. Alors maintenant, où apparaît la femelle? Ah, j'ai deux nids qui apparaissent. Deux nids et deux femelles. Il faudrait une vieille pouilleuse dégueulasse. Oh non, c'est pas bon. Bah c'est pareil, je vais pas savoir ce que c'est avant de bien approcher. On croise les doigts pour la pouilleuse. La pouilleuse, nickel. Ah, oh, il y a une grotte là, j'ai pas vu. On passe par la petite grotte après. Je sais où ça va nous emmener. Et tac. Nouvelle reproduction. Non, c'est reproduit, le panda, il avait même pas 3 ans. Il est un peu précoce, le panda. Ah, il y a une grotte, on va aller voir la grotte. Où est-ce que ça nous emmène? Eh ben, nulle part, bien entendu. C'est juste une grotte. Ah, je peux aller par les égouts, mais il faut que je passe par en bas. Là, je vais un peu au tâton parce que franchement, je sais pas du tout par où faut passer pour aller dans les égouts. Est-ce que je peux passer par là? Non. De toute façon, je peux pas me reproduire dans la zone de mes parents. C'est impossible. C'est ça là. Ah! Une grotte. Où est-ce qu'elle amène cette grotte? Une nouvelle zone? Celui-là. Je vais me faire sortir à l'extérieur ou... Je ne connais pas cet endroit. Enfin, j'ai joué je sais pas combien d'heures à Tokyo Jungle et je connais toujours pas ce quartier. J'y vais jamais dans ce quartier. Hop! Hop! Je rate mon saut. Hop. Hop. Voilà. Ça va me faire ressortir. D'accord, je ressors au parc. Je peux me reproduire à nouveau au parc par contre. Ça, il n'y a pas de problème. Pour ça comme une nouvelle zone. Bah, il est en train de défoncer tous mes frères et sœurs l'autre. Oh, je suis entouré de l'eau. En fait, je vais faire long feu là. Si je peux pas manger, je risque de mourir de faim. Il a appelé toute sa famille derrière. Non. Si, il a appelé toute sa famille. J'ai vraiment cru que je l'avais. Oulala, mais c'est quoi qui m'a attaqué? C'est mon lionceau qui me poursuit depuis tout à l'heure. Ah, ils sont tous là. Ah, ça va être parti là. Oh, ils sont combien? N'importe quoi. Il m'avait pas vu. Faudrait qu'il y ait un éclair pour vous montrer combien il y a de lions derrière moi. Ah, ils m'ont vu. Oh putain, ils me sautent à 20 dessus. Les enfoirés. Bah, où est-il? Merde, moi je pensais que le tigre allait faire une diversion. Mais fesses, quoi. Ça passe tout entre les tigres et les lions là. On va essayer de se faufiler entre les deux qui nous oublie un petit peu. Ah non mais je meurs de faim en passage aussi. Mais ouais, mais j'ai rien. Je vais mourir. Non.
Oh, j'ai encore un frère. Ah, mais lui aussi. Ah non, il y a plein de conneries. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait lui aussi mourir. Bon, allez. C'est sur tes épaules que repose la survie de notre espèce. On va pas faire l'imbécile, on va faire le grand tour. Si on avait été toute la baston juste en bas. Enfin, je reviens ici pour me reproduire, j'ai pas le choix. Je crois que le nid est juste là. Ils sont en train de se battre là, le lion et les tigres. On va les laisser tranquilles, on va laisser se battre entre eux. C'est leur problème. Oh, ma vie mince. Oh la blague! C'est un trou! Oh le piège! Dans un trou! Avec deux tigres et un lion! Juste ça! C'est là qu'un peu de chance on les a semés! Ils ont rien compris au petit manège qu'on vient de leur mettre! Tu vas être bloqué là. Oh non, il t'en a fait tous ses potes, c'est pas vrai. Bon, on va essayer de se faire oublier. Ça ne marche pas. Oh là là, j'ai pas le choix. Il va pas me lâcher, hein. La baston générale. Allez, lâchez-moi. Battez-vous entre vous là. Oh, ça fait mal notre force. Il y a toxicité qui monte. Ah, oh, j'ai pas vu. J'aurais pas dû m'attarder à cette baston générale. Oh, pff, il y en a partout. Les lions et loups dorment juste côte à côte. Oh, il y a plein de lions, il y a que ça. Ouais, bah, je pense que là, on s'approche dangereusement de la fin. Ça m'étonnerait que le petit panda il survive à ça. Ah, puis j'ai même changé de zone sans faire gaffe. Alors, on va quand même essayer de prendre la zone avant de mourir. Oh, ne meurs pas, petit panda. Ah, bah tiens, ça me régénère tout ça. C'est excellent, ça marquait que ça régénérait que le. Que l'endurance. Je crois qu'en plus qu'on m'a déjà dit. Mon abonné me l'avait dit. Mais j'écoute pas. Allez, on prend la pouilleuse. C'est peut-être pas encore la fin. Oh. Elle est en train de se faire violer par les. Par les lions là. Ma pauvre femelle. Oh, puis alors là je suis poursuivi par tous les carnivores du coin. Je crois qu'elle est invincible de toute façon la femelle. Elle me suit, elle est morte. Ah non, elle est invincible, c'est bien ce que je pense. Tiens, vite, on va passer à côté d'un panda. Ils vont peut-être s'imaginer que. C'est moi. Ah, j'y crois pas que j'ai survécu. Allez, viens là. Attends, tant que je suis poursuivi, ça marche pas. Hop, dès qu'on est plus poursuivi, on se cache derrière des petits buissons, un petit fourré, et c'est parti. On va aller à l'autre parc. Déjà 52 ans de survie. Hein. Je sais pas à combien de générations de pandas on est. On va compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à la 9e génération. Allez, petit panda, ne me déçois pas. Même quand tout est perdu, il y a toujours de l'espoir, petit panda. Comment je remonte? Ah, faut que je fasse le tour. Il faut que je fasse le tour.
Faut que je fasse tout le grand tour, j'ai pas le choix. Freestyle Panda. Ouais, il l'a fait l'autre derrière. Déjà rien que le fait d'aller au parc d'à côté, je perds un quart d'heure. Il n'y a plus qu'espérer qu'ils aient à manger de l'autre côté parce que sinon ça va être serré. Voire même hyper tendu. J'espère qu'il faut retrouver les zones. On va y avoir une juste là. Oh, il n'y a pas de gros prédateurs et qu'est-ce que je tombe une panthère direct. En plus en visibilité c'est pas facile. Voilà. On a la première zone, encore 3. Mon petit panda. Ok, après il faut que j'arrive à trouver la femelle. Et surtout, il faut pas que ça soit. Faut que je trouve une pouilleuse dans l'eau. Parce que là, j'ai vraiment pas de bouffe. J'ai l'impression que la zone elle est désertique en bouffe. Ouais, c'est ça, il y a quasiment rien à manger. Je vois rien trouver d'ailleurs. C'est quoi ça? Ah, il est mort. Fou, j'ai eu peur. Je fais merde, un animal qui clignote violet. Mais non, c'est mon frère. C'est mon ancien frère des ours. Je suis pas un ours, je suis un panda. Un frère panda, ça s'appelle. Au final, un ours et panda, c'est proche. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, c'est la même famille à l'origine. Alors, une femelle. Il va y en avoir une dans le coin. Et mince, oh là là, je suis n'importe quoi. Bon, elle veut pas de moi. Est-ce que la prochaine elle veut de moi ou pas? Oh, merde, par contre la toxicité, elle est bien montée et j'ai plus rien pour me soigner. Je vais mourir bêtement empoisonné après avoir survécu à l'attaque massif. Pouilleuse. Oh non, c'est pas une pouilleuse. J'ai pas de bouffe. Je vais mourir à cause de femelles qui veulent pas se reproduire avec moi. Alors j'ai moins d'une minute pour trouver à manger. Parce que la vitesse, on se décompte mes points de vie. On va boire un peu. Voilà. Ça va me permettre de souffler un tout petit peu. Bon, c'est pas grave, on va sortir de la zone pour réinitialiser les femelles. Je vais essayer de m'éloigner, au passage je vais essayer de grignoter un peu. Oh puis c'est bien, c'est plein des lions, mais j'ai rien dit. À moins que j'ai quelque chose d'extraordinaire pour survivre. Une bouteille d'eau. Voilà. Merci les développeurs, je dois survivre à une attaque de lion avec une bouteille d'eau. Kit de secours, ben non. Ouais c'est kit de secours, ouais. J'attends que ma barre de vie soit vraiment descendue. Allez, on va voir. On va voir si les femelles sont réinitialisées. Allez, saute petit panda. Putain, j'ai la moitié des animaux de l'Afrique à mes fermes postérieures. On me poursuit pour me croquer. Vilain petit animaux. Alors, est-ce que tu t'es réinitialisé, femelle? Ah, dis-moi pas que depuis tout à l'heure, c'est une femelle qui me suit. Non. J'ai pas fait gaffe. Non. J'aurais des petits cœurs. C'est ça. Ah non, c'est pas initialisé.
Et parce qu'il y avait deux femelles ici, je comprends pas. Pourquoi il n'y en a plus qu'une? C'est une femelle que j'ai derrière moi? Ah, mais je peux dormir. Peut-être qu'en dormant,